Alors bonjour, je m'appelle Amaël Landais-Israël, je suis chercheure au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSE, donc à Gif-sur-Yvette, et je travaille surtout en géochimie des isotopes stables sur les carottes de glace pour reconstruire le climat du passé. Donc mon projet ERC, Combiniso, donc une starting grant, le but c'est de reconstruire le climat et puis les origines des masses d'eau qui vont précipiter en Antarctique de l'Est pendant les 100 dernières années. L'approche qui va être utilisée, c'est de combiner tous les isotopes stables de l'eau, oxygène 17, oxygène 18, oxygène 16, deutérium et tritium, pour arriver à cette reconstruction. Cette bourse ERC Starting Grant, elle m'a vraiment aider déjà à m'équiper. Donc il y a eu un équipement de fait dès le début, donc un spectromètre de masse permettant de mesurer en fait un nouvel isotope, l'oxygène 17, dans l'eau. Et puis aussi de construire un équipement, donc ça c'était la partie un peu risquée de l'ERC, construire un équipement, un spectromètre laser à très haute précision pour les basses humidités. Donc ça, ce n'est pas encore tout à fait fini, mais ça, c'était beaucoup d'investissements qui ont vraiment été possibles par la bourse ERC. Et puis, ça a permis vraiment de monter une équipe. Donc il y a deux postdocs qui sont maintenant dans l'équipe Combiniso, et puis un étudiant en thèse. Et c'est vraiment à partir de cette équipe, de ces équipements, qu'on peut vraiment avancer et réaliser le projet.